Voilà, typiquement, ça c'est l'état des étriers sur mon XEJ. Typiquement, l'intérieur de l'étrier, c'est comme ça, quoi. Il y a de la merde, on voit bien le soufflet et toute la boue qui est autour, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important que le soufflet soit étanche. Je vais démonter ces étriers et je vais regarder dans quel état ils sont. Et puis après, on va voir si je les remplace par les étriers que je viens de refaire ou pas, quoi. Les étriers, ils bougent, en fait, on voit qu'ils sont déjà à moitié libres, quoi. On voit qu'il reste de la graisse, la graisse cuivre ici, les colonnettes, elles sont super libres, voilà quoi. Et le soufflet, lui, bon, il n'est pas en trop mauvais état, ça a l'air d'aller, quoi. Ça a l'air d'aller. Bon, je me pose la question, je sais pas si je les remplace ou pas. Je sais pas.